Je suis dans l'émotion. Vous dormez derrière mes gens. Vous dormez. C'est comment? C'est quoi, maman? Qui est éveillé? Dis donc, il n'est que 21h. Et les mandants des États-Unis, là, sont où? Vous dormez déjà? Hé, hey, mes gens! Venez, oh, venez! Socorro. Vous avez dit que vous voulez au socorro, non? On va vous servir le socorro. On va vous servir ça. Propre. Vous avez dit que c'est le socorro qui vous intéresse, non? Ok. Mais je viens de sortir comme ça. Mais de tout le monde dort ou quoi? Eh hey, mes gens, partagez le soco, non, dis donc. Donnez-moi mes partages. Hein. Je vais faire comment? Je vais faire comment quand mes followers me lâchent? Est-ce que j'ai le choix alors? Je vais faire comment? Hein? Mes boyas? À part j'ai le mamiton, je ne sais pas pourquoi ils négligent ça. Je vais commencer à faire mes lives sur ça. Alors que c'était une très bonne page pour moi quand même. Je ne sais pas pourquoi. Je suis obligé de partager moi-même, non? Faut quoi à quel niveau? Hein? Mes gens. Faut quoi c'est pas van où? Il paraît que Ngo savait rentrer, ils ne se sont pas vus. Hey! Ou les amis, tiens, bracata de Facebook, oh! Oh les amis, tiens bracata de Facebook. Oh, oh les amis, tiens bracata. Oh les amis, tiens bracata. Les amis, tiens bracata. Oh les amis, tiens bracata de Facebook. Ngo s'appelle rentrer sans voir sa code éco. Maman, les codes de la haine. Si c'était la haine, non, ils allaient se voir jusqu'à. Si c'était la haine, ils allaient se voir. S'il fallait qu'ils se voient pour comploter comment atomiser Lolo, voilà.
Les deux vieilles peaux là allaient se voir au Cameroun. Elles allaient se voir pour planifier la haine. Les haineuses Promax, haineuses de chez haineuses. Hein? Ngosab, la haine fait Ngosab gonfle tous les jours. Elle gonfle. Elle gonfle comme le ballon. La haine, ce n'est pas deux choses. Ce n'est pas que Ngosab est malade. Non, c'est la haine. Tellement pleurait la vie de Lolo. Tu sens la haine, tu sens que. Ouh, Adama, tu sens que Ngosab pouvait mourir de jalousie quand Lolo était avec Fondia. Hey! Maman, regarde la joie de ça. Ngosab a la joie. Maman, le malheur de ta soeur peut vraiment t'apporter quoi? Adama, papa Fondia est parti, ça change quoi sur ta vie? Papa Fondi est parti, ça change le fait que tu es une vieille couga qui est accrochée derrière un enfant, non. Non. Sois heureuse, sois contente pour le bonheur de ta soeur, afin que Dieu te bénisse. Le genre de Hella, Ngosab, Dieu ne peut pas te regarder, je te jure. Le genre de Hella, maman, hey! C'est aujourd'hui qu'elle comprend que les filles-là pleuraient Papa Fondia. Elles sont mouillées le maillot. Pourquoi elle appelle même encore Papa Fondia? Hein? Stéphane Fondia. Je vois un vraiment Fondia. Moutou Sogokougi. Eh, maman, on est en de bouba n'admou. Merde, un velouze là. Ya, que tu sois quoi? Que tu sois quoi? Eh! Maman, Urumba Makunja. Urumba Makunja, mentise big 14 ans, la fungue beku. A fungue bekulo. Mofonja, moko que droit. Moko que droit ne comme jusqu'à ce niveau là. A ta mentise big 14 ans. Ochobunje mana bata bad mentise ya quand même des bons côtés. Quand on finit le pour côté là, on capte ça par là. Ya! Ya mo fonja mo chiso go kuki a video ko zo nenge bugun chabi to bugun tin shunda kaza ke bangula ke do chi fasin tin da ha kaza ke bangula ke chike ponja kaza ke bim bangula bigun chike po aka len chike po la azu amen chi wuri ha ko ne fai bu banga bu buzuya mama. Tu me bouges silence, vous toque silence, on dit que. Ah. Tu me bouges silence, on fonja. Vous toque silence, on dit que. Ah. Bonjour Eva. Maman, afin me bonje wan en ou nen dan dari. Wan en que bu chabinka. Car nengi et afin que bu kolo baba lang dan voy, nous tu. A ba que bu kolo la ou lang dan voy. Ou l'air d'un voyi, quand elle soigne pour bangan. Eh, maman, qu'on crime de mana Louise Gloria, je voulais. Hein? Qu'on crime de mena Louise Gloria, je voulais. Ou tu vas me. Mena sa loup, c'est un chant ou baba. Un matin comme ça là. Elle va voir les images que tu es en train de mettre sur Facebook. En dehors de Lolo, tu as quand même un enfant que tu as élevé avec elle. Et que cet enfant-là, même si c'est comment, elle va rester ton enfant. Tu ne peux pas faire ça. Humilier sa maman comme ça dans les réseaux sociaux. Eh, papa. Eh, Diago Akua. Ah, ou tu peux dire, m'zachu, bandetobe, m'ba wangri, baba. L'homme, c'est l'homme. L'homme ne peut pas faire comme la femme. Tu crois que si elle me met à dire que mon mari et moi, mais on s'insulte là, ils vont aussi se mettre là pour me répondre toute la journée. Non, l'homme c'est l'homme, tu ne peux pas. Non, mais attends, tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu prends les balles pour aller donner à la bébé, à la joufflue de Ngosab. La haineuse Pro Max. La haineuse Pro Max. Tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, non, Ngosab. On dit qu'on ne rend pas le mal par le mal. Quand tu es parti donner ta vie à Dieu, là, le pasteur ne t'a pas dit ça.
ou tu es parti blaguer Dieu seulement? Ngo Sablo, toujours, j'ai vu que tu faisais un culte d'action de grâce. Tu as dit que tu as donné ta vie à Dieu. Et Ngo Sab. Ngo Sab, tu as chanté partout que tu as donné ta vie à Dieu, non? Ta vie que tu as donnée à Dieu, là, on n'était pas dit dedans qu'on ne rend pas le mal par le mal. Si Lolo tombe, si tu te lèves un matin, tu entends que Lolo est tombé, Ngo Sab, tu vas mettre rest in peace, tu vas mettre ça. Quand vous faites les choses, ayez des limites. Ayez des limites quand vous faites les choses. Ngo Sab. Je sais que ça la guerre comme à la guerre, mais il faut avoir les limites. Avoir les limites. Ha! Maman, j'ai jamais vu un homme comme le type là. Hein. J'ai jamais moi vu. Pourquoi les gars de Paris là sont comme ça? Pourquoi les gars de l'Europe là sont mal élevés comme ça même? Je comprends pas. Pourquoi les gars sont comme ça? C'est comme si tout le monde est panté là-bas chez vous en Europe. Hein. Mais déménagez, vous venez même ici aux États-Unis. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça là-bas? Hein? Merde. Trouver une relation fiable là-bas, ce n'est pas facile. Les hommes sont les panthères. Ce n'est pas comme ici là que mais les couples ici là, même si c'est comment, même s'ils ont les dessous là, mais quand même. Ce que nous on vit là-bas chez vous en Europe, là, vraiment, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça là? Hey, femme comme homme, il n'y a pas de différence en Europe, maman. Yeah, ma wole. Yenzing male. Eh, ma chan song wu mama. Ubun cha le yin song a wu. Eh. Men bun wang kem. Akolo nu mu le. Eh. Bango la mo bong zina. Fonja a wanja a ka fonja lo mo bong. Mo bong. Yo na ba sonyu. On n'a pas soigné dans Lolo, on n'a pas soigné. Eh, maman, le bon monsieur, là, tout le temps, il envoie les balles du média. Il envoie les balles à Ngo Sab. N'a pas honte. On va voir là où tu vas arriver avec ta nouvelle fille, là. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est ça que c'est. Moi, avec mon expérience de mariage, là, ce que vous faites là, c'est le folklore, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Ce que tu es en train de faire avec elle là, c'est le folklore. Je suis une vieille mariée, plus de 20 ans. Je connais quand un mariage a la matière grise, je connais. Je connais quand un mariage est bâti sur le roc. Un vrai marié n'a pas besoin de trop de tapage ni de bruit. Un vrai mariage n'a pas besoin de trop de tapage ni de bruit. Ce que tu fais avec elle là, c'est le folklore. Ça va venir nous trouver sur Facebook. Tu n'iras nulle part avec elle. Parce que toi-même, tu es instable. Oui, peut-être elle est stable. Hein, parce qu'elle a déjà pris de l'âge. Elle cherche déjà la personne sur qui elle va finir sa retraite. Elle a fini de vendre son pépé. Elle a fini de tirer les clitoris d'Enga par-ci par-là. Hein? C'est une femme qui l'a menée. Elle est depuis le pays. Est-ce qu'un démanou n'a pas dit ça? Elle a dit ça, c'est une lélé depuis le pays. Toi, tu vas aller porter une lélé jusqu'à tu aies un babadé fort sur Facebook. Une femme qui a des piercings dans la langue partout. Vous faites même comment en bengle? Vous faites comment en beng? Une vraie femme qu'on dit que femme, mère, femme au foyer, a le piercing dans la langue, maman. C'est les panthères qui ont les piercings dans la langue. Si on demande que qui a dit que c'est Dorcas, une femme digne, respectable, mais au foyer, n'a pas le temps d'aller percer sa langue, n'a pas le temps d'avoir les piercings partout, jamais. Je dis jamais, c'est les panthères, les waka. Voilà. Les filles que écarter pour elle n'est pas elle comme un jeu. Une vraie femme va aller donner sa langue pour mettre le piercing. Pour faire quoi?
tu veux nous montrer quoi? Une femme qui est prête pour le mariage n'a pas le temps. Mais une fille qui joue encore sa vie peut se permettre de faire son piercing. Mais le moment qu'elle est prête maintenant, qu'elle veut me stabiliser, elle enlève le piercing. Le piercing, là, elle cherche un mari pour se stabiliser. Un vrai homme qui a besoin d'une femme. Qui a besoin d'une femme qui veut la matière grise. Vous croyez que c'est une femme qui a le piercing dans la langue? Jamais. Les femmes qui ont les piercings, c'est pour aller dans les boîtes de nuit. Hein? Excusez-moi. Excusez-moi de dire ça, mais mes soeurs, mes followers. Si parmi vous, il y a les followers qui ont les piercings sur la langue, tu as besoin d'un mari. Un homme, la matière grise, pas les gigolos, pas les bambambé. Je vous dis, la matière grise de l'homme. Un père de famille, celui-là même qui est prêt à se bâtir une famille, enlever les piercings sur la langue. Je vous dis la vérité. Un vrai homme ne peut pas. Enlever les piercings. Mais si tu es encore prêt à jouer la vie, garde ton piercing. Si l'heure est arrivé que tu es prêt au mariage, retire le piercing. C'est moi qui vous dis. À moins que les blancs, hein? Oui, vous pouvez trouver les blancs. Vous pouvez tomber sur les blancs, ça c'est vrai. Vous pouvez tomber. Hein? Vous n'avez pas vu la vidéo? Ils sont en train de poster les vidéos partout là où il avait la fille est en train d'insulter Lolo. Est-ce qu'un vrai homme peut faire ça? Eh, j'imagine mon mari, la papa Max et Adama. Je ne suis plus avec lui aujourd'hui. Il peut faire les vidéos, il permet à une femme de m'insulter. Eh, Dieu merci. Merci, oh. Merci. Eh, non. C'est dans les situations comme ça que parfois je simplifie mon mari, les sont ma petite gueule de femme là. Mais quand je vois les situations comme ça, je dis que non, Dieu, tu m'as aimé. Je dis que Dieu, tu m'as aimé. Il n'est pas parfait pour avoir ses défauts. Mais maman, quand on dit que père de famille, quand on dit mari là, maman, mon mari, il va s'asseoir comme ça là. On m'insulte, moi, mamiton, il est là, il est assis. Sauf s'il est mort, pas vivant. À moins qu'on l'a basé, quoi. Lui-même, papa Mars, monsieur, oui, il s'assoit comme ça, une femme vient se mettre là pour m'insulter à côté de lui. Adama, il va faire la prison. Ce qu'il va faire à la femme là. Hey, une femme s'assoit et m'insulte. Jamais de la vie. Même si tu lui donnais l'or. Je dis, même si tu. D'abord, quand il suit, s'il a même une aventure, si au courant, il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Tu lui donnes l'or et l'argent, il n'est plus là. Mais tant que je ne suis pas au courant, il peut te gérer le jour que je suis au courant. C'est fini. C'est fini. Il n'est plus avec toi. Même si tu. J'ai dit qu'il n'est plus avec toi. Même si tu es l'étoile de nous, il n'est plus avec toi. Sa femme est au courant, il n'est plus là-dedans. Donc arrange-toi pour que sa femme ne soit pas au courant. Arrange-toi. Si tu tiens à cette relation, arrange-toi qu'elle ne soit pas au courant. Le jour que je suis au courant, la relation là, est finie. Parce qu'il ne veut pas qu'il crie dans ses oreilles matin, midi, soir. Non, il aime la paix. Il aime la paix, il n'aime pas les bruits dans ses oreilles. Il sait que je suis une crieuse. Il sait que ce qu'elle veut crier dans ses oreilles comme ça là. Ah, ses cheveux vont blanchir sur sa tête. Il n'aime pas lui qu'on crie sur ses oreilles. Il aime la paix. Il ne parle même pas beaucoup. Il parle très peu. Elle voit les hommes, les photos, les semblants des hommes. Les gens qui se disent qu'ils sont les hommes. Hein? Les gens qui ont le pétou à la place des mimbans. Les gens qui ont le pétou à la place des mimbans. Bonsoir, Tobichou. Comment tu vas? Corinne, c'est comment, non, ma soeur? C'est comment, Corinne? Merde! Hey! Adama! Non, c'est pas vrai. Maman Bengla, les filles, laissez les gars de Mbeng. Même au Cameroun, même les gars sont devenus les panthères. Il y a une vidéo que j'ai postée dans ma page de Mandon Japa. Maman, une fille qui est partie marier un gars. Le gars dit non, je n'aime pas les grandes fêtes. Je veux seulement un mariage à quatre. Quand elle veut venir, on va travailler l'argent. Et moi-même, je vais économiser. On va rentrer organiser le mariage. Alors qu'il était en train de. C'était le schéma, maman. La fille l'a marié, monté le dossier jusqu'à. Tout a abouti, il a pris le billet d'avion. Arrivé à l'aéroport international, le gars a disparu. La fille n'a jamais vu le gars jusqu'aujourd'hui.
jamais vu le gars. La famille l'appelle que oh, ton mari est bien arrivé. Donne le téléphone, va le saluer, maman. Elle ne sait même pas quoi dire à sa famille. Le gars est indemne. Le gars a disparu. On peut faire ça. On peut faire ça. Les filles, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Ne permettez pas qu'un homme vous perde le temps pour rien. Dès que vous avez les premiers signes, restez là pas là pour dire que non, je vais forcer. Tu forces, il te perd le temps cadeau, mes gens. Il te perd le temps cadeau. À la première occasion, non. Time is money. À la première occasion, c'est vrai qu'avoir les vrais gars, ce n'est pas facile. Que quand tu as trouvé un, tu vas t'accrocher sur ça, que c'est bon, c'est mauvais, tu es sur ça. Mais mes soeurs, au lieu de perdre le temps et revenir à la case départ, ça ne va pas, hein, mieux tu n'aimes. Moi, je conseille souvent aux gens que mais n'est pas une fin en soi. Si tu as tes kaoulou, le genre que tu as ton passeport européen ou ton passeport américain, Bakoko, les gars ne manquent pas. Bakoko, pas que tu le portes pour l'amener, non. Tu Bakoko, tu passes là-bas tranquille avec lui. Maman, tranquille. Oui. Tu peux t'asseoir là-bas, ne pas chercher quelqu'un qui met les parfums qui sent bon, non. Tu peux prendre un homme modeste là que. Il est là, peut-être un veuf comme ça, là, ou un divorcé. Vraiment qu'il est déjà quand même. Il a honte de faire n'importe quoi. Il ne veut plus se retrouver dans les bad buzz. Tu fais ta petite vie avec lui. Hein? Tu fais ta petite vie. Tu ne rêves plus que tu veux le milliard. Non, le peu que tu as. Vous mangez tranquillement. Vous vivez votre petite vie. Hein, mes gens? À un moment donné, on ne rêve plus être milliardaire. Hein? Non! Si Dieu t'a fait, tu as eu un terrain stratégique, tu construis ton petit studio là, tu sors ta petite boutique devant la porte, ton petit bar, tu t'assois toi là, tranquille. Les sous-là viennent, tu tapes les commentaires avec eux toute la journée. La nuit, tu entres dedans, tu dors. C'est mieux que de rester en même souffle. Je ne vous manque pas. Je ne vous manque pas, mes gens. À un moment donné, les blancs se versent en Afrique pour chercher. Nous, on signe dans les pays pour faire quoi? Regardez comment les gars. Tremba les gens au sol. Hein? Regardez l'humiliation de nos propres frères. Mais quand ils sont avec les blanches, ils respectent les blanches. Même ici aux États-Unis. Hein? Quand ils sont avec les noirs américains, maman, ils tournent le couscous jusqu'à ils pilent même l'autre. Mais quand elle avait sa soeur africaine, viens voir le manque de respect de ça. Viens voir le manque de respect. C'est lui qui a le soin. Hein? C'est lui qui veut te dicter les lois. C'est lui qui veut que non, quand il mange, tu viens débarrasser. C'est lui qui veut que non, tu laves ses habits, tu repars. Alors qu'avec la blanche, il ne tousse même pas que criac. Avec la blanche, il n'ouvre même pas sa bouche. Je dis même ouvrir sa bouche, il n'ouvre pas. Mais quand ils sont avec les frères africains, c'est le manque de respect, l'humiliation. C'est comme si tu es désespéré, tu dois les supplier tous les jours pour être avec eux. Donc, ce que moi je vois ici en Bénin, ah merde, même ici aux États-Unis, chez nous, les gars sont insolents. Et Dieu, je dis merci. Je dis merci. Oh. Les gars sont insolents, ils sont mal élevés. Je vous dis la vérité. Les gars sont insolents, ils sont mal élevés. Très mal élevés. Il veut que tu leur donnes ton argent. Hein. Le jour que tu lui donnes pas, maman, le chantage de ça. C'est que les filles souffrent ici là, avec les gars. Ah non, non, non. Non, bête à vous, voyez-vous au go. Non, laissez les gars là. Laissez les gars là tranquille en Beng. Allez chercher vos gars au go. Pas pour les amener en Beng. Vous les laissez là-bas. Faites plus l'erreur là. Ne faites plus l'erreur là. Parce qu'ils vont venir là. Il va te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès que tu portes le Nkwanjenge, tu l'amènes. Il passe sans te dire au revoir. Les filles sont victimes ici là comme ça. J'ai ma copine ici là avec qui je suis bien. J'ai ma copine ici avec qui je suis bien ici là. Hein? Son mari, le mois passé, a déménagé à son insu, maman. Il a déménagé l'Andem. Il a abandonné dedans avec deux enfants. Deux. Les enfants, hein? Deux enfants. C'est elle qui a. Le gars était en Europe, le gars l'a dragué. Elle est partie, elle a pris le gars, elle l'a amené aux États-Unis, elle a guéri les cas. Elle a d'abord, le gars est venu. C'est pourquoi elle vous dit que. Au premier signe comme ça, mes soeurs, fuyez. Fuyez, n'attendez pas pour que le pire arrive. Quand le gars arrive,
il arrive aux États-Unis, mes gens. La fille est ici là, à Houston, non. Le gars ne vient pas lui à Houston. Il calme lui au Maryland. Il calme lui là-bas au Maryland. Près de 6 mois, il calme au Maryland. Il voulait aimer la fille. C'est quand on lui dit que mon frère a fait des papiers, c'est chaud. Mieux tu pars chez elle là-bas chercher tes papiers. C'est là où il quitte encore le Maryland. Il vient trouver la fille ici là, à Houston. C'était une occasion pour la fille de lui kick out. Mais elle a accepté le gars. Elle a accepté. Quelqu'un t'a montré un signe comme ça. Il vient que c'est toi qui l'as fait venir. Tu l'as marié, tu l'as. Il vient pas caler au Maryland pour 6 mois. C'était un signe pour te montrer que. Il voulait fuir. Mais on lui a dit que tu pars, tes papiers ne vont pas sortir. Tes papiers ne vont pas sortir si tu pars parce que c'est elle qui t'a amené, je crois, confiancée. Et tu es obligé d'aller t'accrocher sur elle, de dire les Paolo. C'est comme ça qu'il est venu, donc il s'est accroché sur la fille. Accroché sur la fille là, elle a fait 2 enfants. Dès que sa green card de 10 ans est sortie, le gars n'aime. Hey, non. Faites attention, mes gens. Faites attention. Ne vous laissez plus anarquer comme ça. Allez dans ma page, mon nom, Japap. Vous comprenez aussi, j'ai là-bas l'histoire de cette fille. Pourquoi vous ne vous abonnez pas à ma page de Mandon Japa? Abonnez-vous à ma page là, non. Hein, mes gens, pourquoi vous ne vous abonnez plus là-bas? Vous avez fait quoi? Je vous ai fait seulement que quoi? Que vous ne voulez pas vous abonner. Vous ne likez pas mes vidéos. Vous voulez seulement que je... Moi, je ne suis pas monétisé pour faire les lives. Au moins, les vidéos là, comme ça, là, c'est là où j'ai un peu de monétisation. Allez aussi me soutenir là-bas. Vous mettez les cœurs, vous partagez, vous likez, vous regardez. Vous voulez seulement que je vienne faire. Je mets les caméras, je viens faire les lives. Mettez-moi faire les lives. Je ne gagne rien dedans. Rien. Fais comment? Allez, soutenez-moi en likant mes vidéos. Que je coupe, je poste. Je vous fais des jolies vidéos là-bas. Abonnez-vous aussi à la page. Partagez la page pour que d'autres gens s'abonnent. C'est aussi comme ça que vous pouvez me soutenir, mes gens. Ou bien. Vraiment. Il y a les choses. Elle dit qu'elle n'a même pas vu. J'ai dit que le gars, même, j'ai dit, mais à l'aéroport, elle n'a même jamais. Le gars a disparu à l'aéroport. Je me rappelle aussi une année ici à Houston. Un monsieur de près de 60 ans, il est parti au Cameroun, marié une petite fille, c'était 20 ans amené ici. Et il est venu ici, il a organisé un grand mariage. Le gars a mis près de 100 000 $ pour le mariage, maman. Les gens ont mangé. Le lendemain du mariage, maman Langande pour le mariage, elle avait son jeune petit gars qui a communiqué avec lui depuis le Cameroun sur WhatsApp. Maman, Langande, elle a endemé le beau mariage jusqu'à aujourd'hui, Gogo. Et Gogo, ça fait peut-être 10 ans l'affaire que vous racontez là. Gogo. Le père a confirmé le code. Quelqu'un que tu partais en affaire t'appelait tonton et t'appelait ta papa. Tu m'as dit que tu vas écarter pour mettre dedans. Elle lui a fait ça propre. Elle dit propre. Bonsoir, Belin. Elle lui a fait ça propre. Donc, il faut faire attention. Avant de quitter, que vous partez vos caoulo aux gens là, faites attention. Maintenant, là, on ne sait plus qui est le bon mari, on ne sait plus qui est la bonne femme. Tout le monde est devenu panthère aujourd'hui, de nos jours. On ne sait plus qui est. Donc. On ne sait plus qui est. Mauvais. Je vais faire un live lundi. J'espère que vous allez m'envoyer beaucoup des étoiles. Vous m'écrivez, oh Madoka vient faire les lives. Madoka vient faire les lives. Je vais faire un live lundi. Vous allez venir me soutenir massivement. Vous allez me soutenir. Donc faites attention, vraiment. Ce que moi je vois avec l'ex de Tata Lolo là, ah là là. Moi, je le crois le gars là. En tout cas,
Je ne sais pas s'il était un bon mari avant de changer, je ne sais pas. Attends, Lolo seul sait, je ne sais pas, mais il n'a pas la matière grise. Un homme qui a la matière grise ne peut pas faire ce qu'il fait. Mon mari, papa Mars, ne peut pas arriver à ce niveau-là. Là où il commence à faire comme insulte dans les réseaux sociaux, il ne peut pas. Même si je lui ai fait quoi? Même s'il est fâché, maman, s'il entend que je pleure, il sera là pour essuyer mes larmes. Jamais. Jamais de la vie. 14 ans, tu fais. Tu fais 14 ans à une femme, tu fais comme ça, maman. Que c'est elle qui a, elle a tué qui dans ta famille? Madame, même si tu as dit qu'elle est une mauvaise femme pour toi, tu ne parles pas doucement. Tu es obligé de l'humilier avant de partir. Ah, bah alors. Les choses rocambolesques, hein. Digne des films de Shaolin. Laisse-moi dépasser. Engo Sabé assise sur ça, elle est fière. Elle est fière. Elle est fière, maman. Elle attend, elles ont tant désiré ça. Que Lolo se retrouve comme elle. Sanga. Elles ont tant désiré. Tu sens qu'elles étaient jalouses de la vie de Lolo. Tu sens que ces filles-là pleuraient la vie de Lolo. Et on peut pleurer la vie de quelqu'un comme ça, Ngo Sap. Ngo Sap, on peut pleurer la vie de quelqu'un comme ça. Tu pleures la vie de Lolo jusqu'à ce que tu ne te caches pas, Ngo Sap. Adama. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Ish. On soigne. La honte. La honte. Attends. Bon, ça va, 6 succès. La fille Massa, là, si tes maîtres ne devaient pas te larguer depuis des années, ton enfant a plus de 20 ans. Tu n'es pas te larguer depuis les années, tu es parti, tu peux te faire tirer ton clitoris par les femmes par-ci, par-là. Au crépuscule de ta vie, tu viens dire que tu l'aimes trop. Ah, vraiment. Oh là là. Les plaisantins comme ça. Les plaisantins, c'est au crépuscule de vos vies. Jusqu'à y faire une vidéo que tu étais où depuis, chérie? Elle était dans ton nierre. Elle était où depuis, chérie? Tu ne connaissais pas là où elle était. Hein? Tu ne connaissais pas qu'elle était dans les chats d'Enga. Ou c'est moi qui dois venir te dire ça, qu'elle était dans les couetous. C'est moi qui dois venir te dire qu'elle était dans le couetou de femme. Ah oui. Ah oui, en tout cas, Nadège Michou, je suis d'accord avec toi. Hein. Parce qu'un homme de cet âge-là ne peut pas se prêter à ce genre de jeu. Il ne peut pas. Il devait même regarder Louise Gloria. Il devait la regarder et dire que c'est un enfant que j'ai élevé. Je n'ai pas besoin de la froisser. Un enfant que tu as élevé, même s'il y a quoi, tu dois avoir quand même de retenue. Donc du jour au lendemain, comme ça, l'amour que tu avais pour elle. Oh, tchèi, Adama. J'ai peur de vous, hein. J'ai peur de vous. Toi, c'est le Lolo, vous savez ce qui s'est passé. Certains hommes sont immatures. Ça craint vraiment. En tout cas, Corée. En tout cas. Et surtout les hommes en Bénin. La merde. En Afrique, au moins, les hommes ont un peu de retenue, maman. Ils t'aiment même. Ils ne t'humilient. Ils ne laissent pas qu'on t'humilie comme ça, là. Les hommes en Bénin sont très prétentieux. Très prétentieux. Non. Même si ce n'était pas moi marié, partez-moi chercher moi un gars en Afrique. Manque de respect de ça, l'insolence de ça. Que Dieu accorde longue vie à mon mari. Que je voie avec les hommes ici dehors là. Au mépris. Comment? Vous connaissez ce que c'est qu'une femme qui est méprisée?
Ça fait mal, hein? Ça fait mal. La fille de Marie de Yol, elle croit qu'elle est en bonne position maintenant. On laisse autant au temps. Il a été avec Lolo pendant 14 ans. Qu'elle relève le défi. On va voir. Qu'elle relève le défi. On va voir. C'est tout. On veut qu'elle relève le défi. C'est tout. Ou bien. Maman Dorcas a vu un homme aujourd'hui, c'est une grâce. Ah oui, maman. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi, moi, je dis souvent aux jeunes filles là, que n'ayez pas le gros cœur, même à mes enfants à la maison. Moi, je dis toi, mes enfants. Mes enfants, vous trouvez vos gars. Faites chemin. Ne partez pas là, dites que non, tu es belle, tu attends le milliardaire, le ceci, le cela. Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, déjà, à mon âge, si je n'étais pas mariée, trouver un homme, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais j'ai mouillé mon mari était jeune. On a fait chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. On a fait chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, tu vas venir là, tu dis que tu viens chercher le mari aujourd'hui. C'est un homme qui va venir te donner les bonnes. Soit tu as ton argent, il va venir manger ton argent. Ce n'est plus par amour. Ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus l'amour. Mais un homme que tu as connu, vous étiez jeune, vous avez mouillé le maillot ensemble, vous êtes en train de vieillir ensemble. Mais ça, c'est Amine. Même s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est un fondement, c'est une famille. C'est une famille que vous avez bâtie au sol. Même si je ne suis pas là, même s'il n'est pas là, la famille est solide. Jusqu'au village. Parce que le mariage a été consommé des années et des années. N'attendez pas toujours quand vraiment je vous ai déjà arrivé au niveau que vraiment saisissez les opportunités. C'est vrai que tu peux aussi tomber sur une mauvaise personne. Tu peux tomber sur une mauvaise personne et il te détruit. Tu es jeune, tu dis que non, tu viens là, tu dis que non, tu bâtis quelque chose de solide. Un, deux, trois enfants, après il te largue, il continue son chemin. Est-ce que tu n'as pas essayé? Tu as essayé, mais tu n'as pas eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien. Tu es tombé sur un mauvais type. Tu es tombé sur un mauvais type et voilà le résultat. Donc, c'est la chance. C'est la chance. On a même nos enfants, mais ils tombent sur les hommes. Après 5 ans, le mari a fini, il revient à la maison. Allô? Sora, ouvre le portail. Ok. C'est ça? Il faut prier aussi, les gens. Il faut prier que Dieu te connecte avec quelqu'un de bien. Il faut prier. Il faut prier, maman. Il faut prier. Il faut prier. La prière aussi, c'est la clé de tout. Pour ne pas tomber sur un homme qui va venir. 14 ans, vous connaissez ce que c'est que 14 ans? Retirer 14 ans sur l'âge de Lolo, en arrière, elle devait être une jeune. Elle devait encore être bien jeune, avoir toutes les opportunités. Un homme va venir te foutre. Non. Adama. Et c'est lui qui est sur Facebook en train même de te naguer. Il joue les dangereux. Il dit comment il est beau, il est jeune. Il a rajeuni, quoi, machin. Blood of Jesus. Pardon, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est tout ce que je peux vous dire, mes gens. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Nos enfants à la maison, là, priez que Dieu les connecte sur les maris qui ne vont pas les laisser au carrefour. Il faut prier. Moi, je dis à mes enfants. D'abord, mes enfants sont dans les églises. Elles prient beaucoup. Je dis que Dieu doit vous connecter sur les gens qui ne vont pas vous laisser en route. Dieu doit vous connecter sur les hommes avec qui vous allez faire chemin et vieillir avec eux comme je suis en train de vieillir avec votre père. C'est ça? Oui, Dieu doit vous connecter sur les gens. Faites attention. Dieu doit vous connecter sur les gens qui peuvent vraiment...
les hommes sont dangereux de nos jours. Dangereux, je vous dis. Ils te larguent à la première occasion comme ça, propre, ils te larguent. Ils te larguent carrément. Moi je vois vraiment ça, j'ai mal. C'est vrai que Lolo s'en fout, mais j'ai mal pour elle, quoi. J'ai mal, c'est pas bien. J'ai mal pour elle, vraiment mal. Mais on m'a décidé de l'humilier. On va voir jusqu'où il va aller. Il est prêt à aller. On va voir jusqu'où il est prêt à aller dans son humiliation. Que Dieu lui donne la force d'aller jusqu'au bout. Qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue seulement. Que Dieu lui donne la force. Bangad Mboula m'a dit, il s'est fait un état où. Bangad Mboula Wimdo, aujourd'hui non. Pour Wimdo, il faut faire. Pour un verbe. Un chouba, un chien. C'est ça. J'espère que mon Lolo Tamsi, moi à quoi, c'est ça? Avec tout ce que tu fais là, voilà, c'est bon. Les gens, on se voit, non? Bye bye, on se voit. Tata Lolo va trouver mieux, je prie pour elle. Elle est mieux de bonheur. Ah oui, Nadège Micho, ah oui. Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Et dans chaque chose, Dieu sait pourquoi il fait chaque chose. Ce que Lolo traverse là, le bonheur est devant, croyez-moi. Le bonheur est devant. Ce n'est qu'un mauvais vent. Même si elle a fait quoi, elle ne mérite pas tout ce qui est en train de se passer là. Mais le Dieu des orphelins est en train de voir. Il saura essuyer ses larmes. C'est ça. Il saura essuyer ses larmes. Et nous sommes là pour l'accompagner. Nous sommes là pour l'accompagner jusqu'à ce que Dieu essuie ses larmes. On ne va pas la lâcher. On va la soutenir contre vents et marées. C'est ça. Nul n'est parfait dans la vie. Même si on va dire qu'elle a fait quoi, elle a fait quoi. C'est elle qui a tué qui? C'est elle qui a tué Jésus. Elle a fait plus que qui? C'est elle qui a détruit le Cameroun. Donc le Cameroun est comme ça, il n'y a pas de route au Cameroun. C'est Lolo. Hein? Ou c'est elle qui a occasionné la guerre du Nozo. Que j'ai vu Guilhem. Ah, vraiment de Dieu. Parfois, j'ai envie de clasher la femme là. J'ai horreur des gens qui vendent le rêve sur Facebook. Je vous jure, j'ai horreur. J'ai horreur. C'est les gens là qui font comme ça que la jeunesse est perdue, comme s'ils croient que non, ils ne veulent plus aller à l'école, tout le monde va être sur les réseaux sociaux. Parce que ils voient les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux dire que non, voilà la réalité. Chacun vient vendre. Quand moi, je vois les gens comme les Guylaines, hein? Une personne qui est rentrée au Cameroun n'a même pas une maison, elle saute de location en location. Elle saute de maison en maison, comme un mauvais esprit. Elle passe son temps à louer les maisons des gens. Elle vient insulter les propriétaires. Elle vient insulter, vraiment. Jusqu'à dire qu'elle est la belle de la République. Tu es la belle de la République. Tu n'es pas propriétaire au Cameroun. Tu ne peux pas dire que voici, je suis propriétaire. Tu es la belle. C'est nous qui pouvons être les abeilles de la République. Tu vas être la belle de la République. Sur quelle base? Pourquoi le Cameroun là déroule même les tapis aux médiocres comme ça? Là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi ce pays-là déroule le tapis au médio? Voilà les gens qui ont fait les 40 ans. Mais elles rentrent rien qu'avec la grosse gueule pour venir faire le bruit dans les oreilles des gens. Pour venir faire le bruit, hein, dans les oreilles des gens. Une belle vie, elle ne peut pas mourir. Elle est seulement là sur Facebook, le filtre de ça. À nous montrer les marques de vêtements. Au 21e siècle, on a encore les problèmes des marques de vêtements. Zoukembe, qui est un multimilliardaire, ne connaît pas les marques de vêtements. La femme de Zuckerberg ne connaît pas les sacs Chanel, les quoi. Elle ne connaît pas. Elle porte ce qui est convenable pour son corps. Hein? Faut les vieilles mères comme ça là qui peuvent s'asseoir et éduquer la jeunesse. Elle est là sur Facebook à dire que ça c'est une robe Gucci. Ça c'est une robe quoi. Elle connaît tous les noms des robes.
Vraiment, je suis dépassée. Pauvre jeunesse, Yako. Yako. Yako à vous. Avec les vieilles peaux, avec les vieilles peaux comme celle-là, comme ça, là, vous allez vous en sortir comment? Les vieilles peaux comme Amougou, si c'est qui, Amougou, là, comment? Wafo. Stella Wafo. Comment la jeunesse va s'en sortir tant qu'il y a les Stella Wafo, là, les vendeuses de rêves comme ça, là. Hein? Les femmes qui ne peuvent pas venir sur Facebook avec les vrais cheveux, si elle n'a pas mis la perruque, mettre les tons de make-up, faire ceci, faire cela, monter même sur les talons pour venir vendre le rêve aux gens. Entre-temps, les gens ont faim dans sa famille, dans sa propre famille même. Les gens dorment sans manger. Mais elle est sur Facebook, elle se la pète plus haut que ce qu'elle est. Elle se la pète. Attendez-moi lundi. Je vais vous regrouper lundi comme ça et dire votre vrai nom. Lundi. Vous allez me sentir passer. Ce qu'elle veut faire lundi, hein. Ah, préparez votre quoi. Elle veut vous mélanger, vous tous, comme ça. Il dit qu'elle veut vous tous ces faux culs de Facebook-là. Les vendeuses de rêves Mbrakata-là. Je vais vous mélanger, vous tous, comme ça. Mettre dans le sang banjo. Attaché comme ça lundi. C'est moi qui vous dis. Abonnez-vous à ma page Mandon Japap. Abonnez-vous à ma page Mamiton du 230. Vous ne vous abonnez plus sur mes pages. Pourquoi? Vous avez fait quoi? Abonnez-vous. C'est ça. Vous êtes sûr que la fille Bassala n'a pas donné quelque chose à ma fondia? Le gens qui se comporte comme un mouton là, moi je comprends pas. Hein. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas donné quelque chose au gars là? Parce que les vieilles peaux qui ont raté leur vie là, elles sont dangereuses. Qu'elle veut y aller chercher un homme sur qui elle va s'accrocher pour finir ses vieux jours là, elle est prête à tout. Vous êtes sûr que le Fondja là, c'est encore celui que vous avez connu. Ha! Ah, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'enga ici dehors. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'enga dans le dehors aussi. Oui, maman. Oh. Donc, c'est ça. Hein. C'est ça, mes gens. Moi, je vais vous laisser, non? Oh. Mon sac de nourriture. Oui. Bonsoir, oh. Comment tu vas? Ok, ça va. C'est mon voisin, hein? C'est aussi un Camerounais. Un gars du sud-ouest. Non, pas du sud-ouest, du nord-ouest. C'est un Camerounais. C'est ça. En tout cas, mes gens. En tout cas. On est ensemble. Je ne sais pas me laver. Les enfants ont préparé. Je mange, je me couche, je dors. Demain, je pars encore pour 12 heures. Voilà. Après, vous avez dit que nous ne touchons pas travailler, non, mes gens. J'ai suivi votre conseil. Vous avez dit qu'on sort de la maison pas travailler. Vous avez compris. Vous nous avez assez insulté sur Facebook. Vous nous avez assez insulté sur Facebook, non? Ok. Je suis allé chercher le travail. Vous êtes content? Vous êtes content, non? Hein? Ok, arrêtez alors de nous insulter. Qui a trouvé le travail? Enlevez vos bouches sur moi alors. C'est bon, non? C'est bon ou ce n'est pas bon? Donc vous étiez là comme ça, vous croyez que moi je ne travaille pas. Je vous montre ce que je veux vous montrer à Facebook, non, mes gens. Hein? Je vous montre ce que je veux vous montrer à Facebook. Est-ce que je suis obligé de vous montrer toute ma vie, mes gens? J'ai une vie en dehors de Facebook. De toutes les façons, bisous, je vous aime. Bye bye.